et lobby boy. Pourquoi vous avez soupçonné présence à EAC à Katiambokana? Attendez là, article 4 et charte à EAC et lobby boy. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, virgule, de détenir, virgule, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Ndenge to sito kota na kati ya communauté ya EAC. Kongo a komi membre ya EAC. C'est-à-dire EAC aza na capacité na pouvoir ya ko céder mabele. A ko vanda lobby, a lobby mabele ya kiwanja et komi na Rwanda. Mabele ya Ituri to pesi yango Burundi, to pesi Uganda, to pesi Kenya. Parce que wana za ko badok eta monsieur ko ko ya na kati ya mboka. Ndaya ko tango na moni basali répartition. Na komi déjà ko banga balobi armée Burundi a géré par exemple tel coin Uganda a géré Bunagana et autres, c'est-à-dire babanda ko kota na application et baza même na capacité à poursuivre Congo na justice parce que si tu signes encore capacité est aussi accordé tel est ce que capacité juridique article on a intitulé la capacité juridique il y a communauté donc alors à pouvoir lelo ya ko loba ke non Bunagana tozo pesa ngo pendant 3, 5, 6 mois et pas nani parce que tu commis mutumoro et vous allez même voir Félix Tshisekedi dans sa discours moral lobby ça ne sert plus à rien de se discuter pour des morceaux de terre. Est-ce que les gens ont le temps d'analyser pourquoi phrase wana yango lobby était à ça prêt il a coupé sa mobilité yango biso de et assez est dangereux et assez ezali bombe c'est le moment à longo et puis encore au temps bazar au lobby yango c'est-à-dire même Félix Tshisekedi soka za isusu na bokondité. L'accord va demeurer. Non. Mais est-ce qu'il faut l'ouvrir? Est-ce que quels sont les mécanismes pour quitter? Mais comment m'appelle Nakati? Il faut que ça la démarche. Parce que demande. Ça les demande. Il faut pas répondre yo. Il faut pas répondre que ton dimi bolongwa. Il faut que bazo umisabino. Pendant que bazo umisabino va répondre bino. Pendant ce temps, ils peuvent exploiter parce que bas ça la charte est au signé yango. Maintenant, c'est la communauté qui gère. Donc yo, bino banzete. Oh, ça qu'on perdre mingi na communauté isali RDC. Ils ont Congo parce que. Ils ont bénéficié de leur côté. Rwanda a bien une au CD biso. Il n'y a que le Congo, des alliés paradis terrestres. Congo n'a aucun CD ba mabele, on va préciser. CD de terre, il faut que ne musique. Le Rwanda c'est un petit pays qui n'a pas de terre. Mais nan a aucun CD mabele sur le Congo. Kenya a l'orote, Burundi a l'orote. Donc tu continues le moro boye, tu signes encore, tu favorises bango et maintenant ba robana robata man accord. Il y a moi tout ça qu'on insister que fait c'est que dans longue. Mais vous ne posez pas la question. Pourquoi ba militaire y a force régionale baya? Mais c'est parce que la communauté a la capacité. Il y a routine d'attendre le lot top Congo ba banda ko sécuriser venir au sika tozali na ba militaire et assez boboy été. Amis téléspectateurs de AM TV Mbote Sangweza y a pas si pe ya mawa. Oyo ya biso République démocratique du Congo tant mon kota lisa na bandeko nyonso balanda biso à travers ma mission TV le miroir du monde que sengeli to fongola miso na makambo ezali koleka na makambo ndeko na biso auti bongo koloba information oyo ezali clair et net na moment oyo tozali koloba Burundi à travers leur président de la République accompagné na ba M23 pe ba ERC ba outi bongo ko déplacer ba borne na o etali bongo province na biso ya na territoire na biso borolanda quand même information na ko pesa bino la population du groupement Busanja territoire de Rutshuru sous occupation du M23 alerté mardi 26 septembre sur l'annexion d'une partie de leur terre par Ouganda. Donc, na momo tozali koloba information o na elibino na poko alelo yango wana. L'Ouganda vient d'annexer une partie de la République démocratique du Congo na mboka na ye. Il a placé les bornes à kei nango na mboka na ye a annexer yango puis tovandi kimia. Et à ces motos, ça dit quoi accompagner? Une partie du groupement Busanja annexé par l'Ouganda alerte la population. L'air est grave. Bande Kodanga. Toko zonga na bino. Toko terate, makambo yo. Ezalaka dénoncé yatla 20 quelques années. Na papa Kabila le père. Natali Sakibino vidéo wana. Na ebite soke ezali mosika te pour que na la kisabino angoli susu.
Na moment tozali koloba Uganda uti ko annexer mabele na biso ya Busanja na kati ya mboka nae. Et tozali kimia, tozo lala, tozo lamuka, comme si rien n'était. Et tozo mona propagation ya faux boui, ya bande kona biso ya IDPS, na divergence au bazali na yango, toyebi te bako we la nanini na ba M23, est-ce que biso toko kiko banda ko sala débat na ba M23, biso ba tozali na mapinga na biso? Eza motuna ona kotuna na ba kongole conscient. Na moment o toyebi ko lobe ya makambo mabele na biso occupation oyo M23 ezali ko sala. Na ba territoire na biso, est-ce que toko kiko vanda to banda ko beta li solo na ba M23 ko sala échange de parole à travers de vidéos? C'est une question. Alors, voilà, information à propos de l'élo yangouana. Yangou moni na zongi na vidéo oyo, yali kamweto, ba eya se tango ba yaki. Kongole nyon sonanga monaye, akena ki nako denonce, l'arrivée de eya se, surtout na li kamweta li répartition. Bande konanga boko zanga la koyeba. Boko zanga si mabota la. O basala ki répartition. Biso na bino to mituna ki question. Pourquoi bango bato baye pou na kogunda po na biso? To banda ko beta li solo ya répartition. Na ebi ke soki to ke na bemission. Ya o to kolobe la makambo eza sérieux ya mboka. Bande kona biso ba kongole e bele. Bazala kana bango en ligne te. Makambo to zali kolobe le zali makambo mboko très sensible na o etali mabele na biso. To ligi lobi fayou lozo a pouvoir. Toliki lo bi deni mukwe gazo pouvoir. Mako zo pouvoir kwa kanga ma akamba ma bele nini. Eza question ya munene o esengeli ba kongole ba kene na komituna. Ndeko mukwe gelo bi akokamba banani. Ndeko Martin Fayulu akokamba ma bele nini. Eko zale sengo pola ndeko Martin Fayulu azo a pouvoir. Akuta ke parti moko ya République démocratique du Congo. Esi evandi na maboko ya ba Rwande. Evandi na maboko ya ba Ugande. Voilà pourquoi ton zongi pour que tout aille s'aimer. Félix, tu sais qu'il dit, Azana ba kor oye a signé na ba M23. Que je ne peux pas comprendre. Les gens qui ne sont pas de notre pays. Bato to bengi bango ba rebelle. Bon, même pas de rebelle. To bengi bango, nenge bango ba lingara, to bengi bango ba terroriste. M23. Ba ya ko vanda na kati ya mboka na biso, ba ko pesa mi beko. Nini basolo la kina Félix et Tshisekedi. Basolo la kina nini pour que lelo bato wana bako mana audace o bako mina yam. Mande ko l'audace o bato a M23 bako sala lelo pe chantage. O bazali ko sala na pouvoir en place. Mande ko ya quelque chose ki. Na kaka boete bato bako ki ko manda ko zo audace o bazali ko zwa. Po na ko lakisa. Makambo nyo so bazali ko lakisa na télévision. Nan la kisa ki bino a travers une vidéo. Ya dénonciation ya papa Kabila à l'époque. O ya zara ki nan le président de la République. Lolenga ya zara ki ko dénoncé Uganda. Kabila à cette époque là, il a dénoncé l'Uganda. A loba nini contre Uganda. Nan la na tchela bino vidéo. Boyo kandenge nini ya kota lisa. Que Uganda zali complice. Pour na koluka koboto la, mabele ya République démocratique du Congo. Asenga ka une partie ya mabele. Et bisona bino à la délégation de ministre des Affaires étrangères de SADC. Bonjour Museveni. Que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit, faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'il coopérait avec les autres, le Mobutiste avant. Ils avaient des concessions. On leur disait, maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo, on a dit, monsieur, c'est pas possible. Le droit de frauder les cafés, le bois, la
papaye, l'or. Et comme on pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, je viens d'apprendre que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Après 20 quelques années, Bandekonanga, lelo Bandekona biso bango na bako dénoncer. Oto Kolanda, Okapi, Nord Kivu, bango na pona bako dénoncer que Uganda azui Busanja annexa ngo na Uganda. Et nous avons un président de la République. Nous avons un gouvernement. En tout cas, Bisabino, que des dénonciations que nous venons faire ici contre le pouvoir de Félix, ce n'est pas contre la personne de Félix et Tshisekedi. C'est contre sa gestion. Bon, dans le niveau, tu as une valeur. Bon, dans le niveau, la République démocratique du Congo ne représente plus rien. Na niveau, il y a force. Que je vous parle là. Il y a FARDC. Baza ko dénoncer. To koma na armée de ya dénonciation hein. Et sengeli quand même boke de na koyeba. Pendant que je vous parle là, l'armée congolaise ezo ko dénoncer na part na bango à travers un document oyo ba kota lisabiso que ba M23 ba outi ko réoccuper Kanyamao a Kibumba ba kei ko réoccuper ko réoccuper ba village on a kotangela bino bozela pardon ba village on a kotangela bino na ke ko réoccuper ba village on a kotangela bino le M23 il réoccupe les localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. Il s'agit en l'occurrence de collines de Kibarizo, Kabalekacha, Kibumba, non pardon, Kirumbu, Bukombo, Rugogwe, Busumba et Burungu. Ba territoire wana na kotangela bino, ezali na ngambo ya Masisi, na colline ya Ruunda. Na Kibumba. Et na kati wana ya Mirabongo, nde FARDC ko denonse mokolo alelo, ya cela 50 minutes. FARDC za ko denonse. Ke M23 akeyi susu ko réoccupe ba ville oyo, ba village oyo, na kotangi la bino. Ba lokalite o nyonso na tangi li bino oyo, M23 ake ko réoccupe. E nanga morabiso, leto kende na offensive, FARDC la biso akoya kopé sa kara ba information communiqué na no ba pesi bango autorisation té na la kisa ki bino video ainsi ka bande kona biso ya FARDC ba kota li biso à travers une vidéo na no ba zui autorisation mais déjà na bato ayi de pes ko kopé sa ba fausses informations na bande kona biso ba congolais pour na koloba ke kune si ba bundi kune si to gagner kune si to keibwe. Somo la propagation ya faux bruit. Oyo IDPS bango moko pa ko dénoncer, ba ko ya na yango matin, midi, soir pour na ko endormir les sous-peuples congolais. Vous avez suivi cette vidéo? L'armée c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème.
ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la... Bolandi Binomoko, général, on va où tu cotis à où a remplacé Constant Ndima dans Nord-Kiv. On va passer par autorisation pour que l'armée a qui ne peut défendre les hommes à Bélé Nabisho. Si quoi Binomoko Botala, dans la localité on y en sort. Ce que Bango va passer par mot d'ordre te, Yakobé Tamassasi, Batikeli na Bango, ba M23, na Ebisa qui vino déjà, c'est général. Pour les gens, on va y éviter. Ce général Azali Moto a accompagné qui Mamboko Nyonso et Kweza Mamboko ba M23 lelo. Et yo wana lisu sou lelo, a ke koti kanzela, na ba M23, ba kene na bango ko reokipe, Mamboko Nyonso na tangeli bino. Yo wana, na monoko na ya alobini, me pesi biso mot d'ordre te. Ke mo konzi a koki ko bete lobo kono mesate, a koze la mot d'ordre ya ba politique. Et na koze la ka mot d'ordre ba politique, M23 ba ke lisu sou kozwa Kibarizo Kabalekasha Kirumbu Bukombo Rugogwe Busumba et Burungu. Merci beaucoup Nandeko Steve Wemi pour l'information. Ya tla 50 minutes Bandeko na biso ya ya Fardese ba outi ko dénoncer. Dénonciation à Mokolo Alelo pour la FARDC. Dénonciation à lobby à FARDC pour Rolanda Yangope et Zali Ao. Je vais vous laisser suivre. Compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité provincial de sécurité tenue ce mardi 26 septembre 2023. Il s'est tenu ce mardi 26 septembre 2023. La première réunion extraordinaire du Comité provincial de sécurité et des prises de contact entre les membres du dit comité et les nouveaux gouverneurs militaires ad intérim de la province du Nord Kivu dans la salle de réunion du gouvernorat de province. La réunion a été présidée par le général-major Chirimwa Minkuba Peter, désigné gouverneur militaire ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu. Quatre points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir prise de contact et communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province ad intérim. Deux, situation sécuritaire de la province avec deux sous-points. À savoir, A. Insécurité grandissante dans les villages Kiziba 1 et 2 en territoire de Nyiragongo. B. Le quartier Bujovu et Majengo en ville de Goma, fief de Mai Mai. Troisième point, le déploiement de la PNC à Mushaki. Et quatrième point, le divers. Dans sa communication, Son Excellence Monsieur le Gouverneur militaire des provinces ad intérim, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, a rappelé à l'audience que c'est sur instruction du commandant suprême que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, l'a désigné comme gouverneur ad intérim et commandant des opérations en province du Nord Kivu. À ce titre, l'autorité suprême lui a confié deux missions, à savoir 1. Le commandement des opérations pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Pour ce faire, il a appelé les forces de défense et de sécurité à observer les cessez-le-feu tels que voulu par la hiérarchie, tout en restant prêtes et vigilantes au regard des agitations actuelles de l'ennemi. 2. Reconquérir la confiance de la population. À ce point, il a exhorté tous les services concernés à travailler avec ardeur sur le désarmement des cœurs
afin de réconcilier l'armée et sa population après les incidents du 30 août 2023. En ce qui concerne le deuxième point, après débat, il ressort que certains compatriotes faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés seraient à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. En outre, il a instruit la justice à mettre sous mandat tous ces fauteurs de troubles et leurs commanditaires. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus des dialogues avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilant pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC/RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. En ce qui concerne le dernier point, le comité provincial de sécurité a rappelé que lors de la récente descente de son Excellence Monsieur le Gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu dans la cité de Mushaki, en territoire de Masisi, le vendredi 22 septembre 2023, la population de la dite cité, longtemps meurtrie par la souffrance lui imposée par le M23-RDF, avait émis les vœux de voir la police nationale congolaise se redéployer le plus vite possible dans cette cité. Au regard de cette demande pertinente, l'autorité provinciale a instruit le commissaire provincial de la PNC de prendre toutes les dispositions pour que ce redéploiement soit effectif. Commencé à 11h, la réunion a pris fin à 14h30. Pour quelle solution? Amis téléspectateurs de AMA. Bon, là, il y a beaucoup de discours, ce qui est compte rendu. Il y a porte-parole, il y a Nord qui veut, il y a armée. Boyo qui est. Boyo qui m'a kamboni n'y a koloba. A qu'on dénoncer ma kambébéné. Et puis à l'obi, le gouverneur a l'obi tout de suite. Motonio ça se mettre au travail. Mais mon salaire y a soldat et zala kanini bande konanga. N'est-ce pas, et zala ka se mettre au travail y a ngon dike ba koloba bango moko. Pour se mettre au travail pour un soldat, tant que t'en as la situation boye, et zako bête en massassi. Tali Masasi, bazo c'est la mot d'ordre ya Kinshasa. Mais oye, tali bongo, bato yo bazali zinga zinga, ya ba frontière na biso, bango bako kene la ko dénoncer. O nenga tozali ko loba boye, tozali ko dénoncer
Rwanda a bazali kozo ba carte d'électeur pour nous infiltrer biso. Mande konanga, on parle de quoi? Donc Rwanda zui machine ya kadima. A tiango e pa na ye. Komi ko pondre ba carte. Na population na ye. Pénétrer la République démocratique du Congo et notre armée ba kota di sabalobi na ba frontière, ils ont placé ces gens et tout, mais nous aussi nous devons placer nos gens. Nous devons aussi placer nos militaires pour qu'ils ne nous combattre. Tout le monde est là. Djaleloliste est venir à la télé pour mentir la population. 10 minutes après, il y a une vidéo pour la cocosse. 5 minutes, vidéo pour la cocosse. Et les Congolais vont venir à la télé. Sans qu'il y ait réellement où ils allaient couler. Mais si tu as une vidéo pour la cocosse, ils vont réellement où ils allaient couler. Comprendre ni les alliés. Parce que je ne peux pas parler dans mon nom. Mais si y a vidéo, bozo yo kabino moko compte rendu. Bozo yo kabino moko n'a pas de service au point. Liboso va saler ceux qui prennent des contacts. Si y a un deuxième point, situation sécuritaire, yami balé, ba kolobe la même, le lenge nini. Ba M23, ba keyi na ko réoccupé. Ba localité ou ananyo son atangé libi. Et là, nous avons des Congolais, on a parlé de Bango, ma vandi ba rota la ka. Te fo mkwega leka. Te fo fayulu. Fachia leka. Tretombo ke kukene. Natali Sibino. Museveni. Makambo ya banda kokale ya tsla 20 quelques années. Il a été dénoncé par l'ancien chef de l'État, le défunt chef de l'État, Kabila le père. Mais l'élonde a kwe ko réalise en go. Na kokene na ko annexe Busunja na o ezali mabele na yi. Est-ce que tout le monde va congoler la télé pour qu'il va marcher? Maintenant, les Cambo Etali, oh boy, ok, qui que ma kele le outa qui colle kanana goma. Bande kolanga. Dès quand il y a ba milice, de comment va-t-il de kinga information? Tension entre deux milices qui se disputent une position anciennement occupée par le M23. Aucun affrontement entre FARDC et M23 signalé. On a un Congolais, Azakuna sur place, Azopé sa biso d'information bio. Pour que les Congolais baillent, les Makamoni ne soient pas. On voit qui que, oh non, Bitoumbe, Zakuna n'a pas de nani à Goma. Et il dit qu'on a ba M23 ba FARDC. Non, ce n'était pas une vraie information. Vraie information à Ouézali que, si elles ont qui entre deux groupes de milices, Zobunda bazo wele la ba place on ba M23 ba tikaki et ba place ango yango wana ba M23 ba ekozo ya biso to vandika ba debe zangatina et le ministre des affaires étrangères il se lève un bon matin a sokoli soki ma ya malili ya États-Unis ango kuna nini ekota ki na nzoto to yebite avant de liboso a télévision a ko promettre biso le 24 septembre dans quelques jours Marozongi sa population na ba quartier wana nyonso. Je pense que Bolandaki. Nanakisa ki bino moto liboso mbata. Mais ah na kolakse no moto liboso monsieur le ministre. Ma réponse est la réponse est très. Et puis bato yayi de paix. De manière même si ba kosi population, jamais bazonga kana sima pour que ba ya koyebi sa population bo excuser biso par rapport à makambo to. Jamais, bason a pour que bébé biso, bo excusez biso par rapport à Marambo Tolobaki, jamais. Nathalie Sarabino en gros à travers le VAR. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Lutundula, monsieur très pertinent, naba réflexion. Monsieur qui a de réflexion très pertinente. Lelo a perdre tout ça à cause d'argent. Monsieur Lutundula, le nom comme il lobe là, juste parce qu'il a besoin de tuer. Puis, dans le voyage, il y a 100 et quelques personnes. Monsieur Lutundula, même 100 et quelques personnes, azui, batoaba membre et la famille. Même ses enfants, parce qu'il y a une liste. Je vais vous mettre la vidéo. Même les enfants de Lutundula, parce qu'il y a une liste. On a besoin de se dénoncer entre eux. Les enfants de Kazad, il y a finance, parce qu'il y a une liste. Il semble. J'aimerais quand même, là, il semble que ça n'a pas envie de l'obacité.
Mais mutuna bango moko moto a lobi, je vais vous mettre la vidéo. Mais bon là na monsieur O, makamba loba ki na biso. Songi si maté pour kaya ko biso le contraire ya O ya lobaki. Et salamité parce que salamité si ko to salinde genini. Pour la combattre comme ça, c'est comme sous la vision du chef de l'État. Eh, pour ma soldat, na biso ba beta masasina na est kuna contre le M23 et comme sous la vision du chef de l'État et sous l'impulsion du chef de l'État yango to beti mwa moko sous l'impulsion du chef de l'État to robakisa mususu sous l'impulsion du chef de l'État loko nanu apesi ordre te to robeta te bomona yango wapi bande kolanga là que je vous parle là le Niger bauti ko bengana l'ambassadeur il y a la France papier ceux qui bissent au commun un niveau wana et qu'on s'en dégaine mouka loko la France ambassadeur n'a yangu bozongi se bolbi non tolingi ote kende tolingi bino lisu na mboka na bisote parce qu'ils sont complices de ce qui se passe en République démocratique du Congo, n'est-ce pas qu'ils sont complices? Pas la présidente de la République n'est pas sonné à roke neko gumba mela États-Unis d'Amérique. Ok, Zogarata, bonjour Biden. Là, c'est notre président de la République. Zogarata, ne peut pas que la banque m'a pas pendant qu'il n'a pas encore trouvé de solution. Wana, depuis Bazala, dans ma position, on a une zone tampon. Tilelo, Bazali, Wana. Aujourd'hui, le AM23 sont en train de cohabiter avec le AM23. Ma vidéo, on a la Kisabino, Bande Konanga. J'aime pas trop diffuser ces gens parce qu'ils me nervent tellement. Ma voix, ni n'a pas biso. Bazo yi bananu o ezali ba tax na biso mbongo ya contribuable congolais bazo sale lango o bango balingi plus de 1 million de dollars chaque mois et nous avons des autorités qui ne viennent que par de paroles a lieu place à ko passer na acte et ba congolais ba vandi kimia bazo tala beton avec quel bilan Félix Tshisekedi doit prendre avec quel bilan un président de la République qui n'a pas de charisme. Président de la République qui ne représente rien en Afrique, combien de fois en Europe, combien de fois en Amérique. Et monsieur le ministre des Affaires étrangères passe à la télé pour faire de mensonges. Parce que le président l'a déjà dit, ce n'est pas un secret. À partir du 24 septembre, dans quelques jours, si rien n'est fait, nous allons faire tout, je dis bien tout, je le dis au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que nos compatriotes regagnent leur domicile de manière qu'on puisse les enrôler, de manière que même tardivement, les candidatures soient déposées et qu'il y ait campagne, qu'ils aient des élus. Il n'existe pas au Congo une cause d'éligibilité pour fait de guerre. Ça n'existe pas dans notre loi. Donc, tenez-vous ça pour dit. Je n'exclus aucun scénario pour établir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous dites que si tout cela n'a pas été fait, je citais le président encore, les FARDC vont passer à l'offensive sans l'EAC, malgré la présence de l'EAC. Je ne peux même pas dire malgré la présence de l'EAC, parce que l'EAC est venu pour l'offensive. Oui, mais ils sont là, et certains les accusent de ne pas être clairs. Mais c'est pour ça que je vous dis que pour nous, la décision est claire. Vous comprenez? Ce que nous faisons, c'est d'avoir toujours raison. Il ne faut pas qu'on trouve des arguties, des alibis quelque part pour nous. On a cherché à avoir toujours raison. Parce que Batouan a besoin pour respecter leur côté et ils sont protégés par la communauté internationale. Ils sont protégés par l'Union européenne. Ils sont protégés par toutes ces personnes-là. Kagame a accueilli dans les États-Unis d'Amérique, dans la 78e Assemblée générale. Il invite la table à Minene, la réunion à Minene. C'est Kagame qu'on invite. On n'invite pas Félix et Tshisekedi. Combien de temps, donc on vend d'ailleurs pour Zalakaka, nous voulons respecter, nous voulons pas, et nous voulons avoir raison. Donc on soit. So, quand il y a mon exemple, moi, quand j'ai dit simple, moi, quand j'ai dit ça, on a Katia Konayo, Babi Narangoni, violation à domicile. Combien de fois, bah, âme 23 wana? Violer domicile. Parce que Bazali et Panabichou, ce sont des Rwandais. C'est Félix et Tshisekedi Motozali pour reconnaître Bango le quoi à Bakongo. 23 Bazali Barou.
Ce qui est Félix, tu sais qu'il y a pour reconnaître bah, loco là-bas, congolais, pour là-bas les canaux cantonnement, après pas bah, qu'il y ait une réinsertion. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais quand est-ce qu'il y a pour récupérer aux alliés à Bissot? Les lots qui ont gondé à Télémina par Naye, yé moto à Zalina Katia, à Kéi, Kokota, à Katia, ya Mabelé, à Bissot, pour qu'il y ait un Zouango à par Naye. Borolobani. Et monsieur le ministre passe à la télé. Il y a un avis Sarabino. Quand quelqu'un passe à la télé, en train de faire une interview en français, à ce moment-là, on dit que nous sommes bien. Et ce sont ces sanités ma congolais. Ça révolte d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Malgré la présence de l'EAC, parce que l'EAC est venu pour l'offensive. Oui, mais ils sont là. Et certains les accusent de ne pas être clairs. Mais c'est pour ça que je vous dis que pour nous, la décision est claire. Vous comprenez? Ce que nous faisons, c'est d'avoir toujours raison. Il ne faut pas qu'on trouve des arguties, des alibis quelque part pour dire, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Non, non, non. Il faut que nos compatriotes nous comprennent. Nous avons des instruments juridiques à différents niveaux, notamment à ce qui concerne l'EAC, la force de l'EAC. Il faut au moins respecter ça. Et les choses sont claires dans la tête du président de la République et du gouvernement. Non, mais la question, elle a toujours pas de réponse. Est-ce qu'on est en mesure maintenant de faire ce que la MONUSCO n'a pas fait? Mais c'est parce que vous m'interrompez. Au-delà du pédagogique, nous voudrions une réponse claire. Est-ce qu'aujourd'hui... Ma réponse est très claire. La MONUSCO s'en va, ma réponse est très claire. Pensez-vous qu'un gouvernement sérieux va vous dire qu'il n'est pas en mesure de défendre l'intégrité territoriale, les bien-être des Congolais? Non. Vous avez posé une question. Ouais. Dans les faits. Attendez là. Vous avez, si nous avons été obligés de solliciter toutes ces forces, c'est qu'on aurait attendez, vous n'avez quand on entend le président du Kenya, excusez-moi, quand on entend le président du Kenya dire qu'il y a de la calmie au Nord Kivu du fait des troupes de l'EAC, parce que nos forces ne sont pas à mesure de... Vous mélangez un peu beaucoup de choses à la fois. Venons vraiment à la question essentielle que vous posez. Sommes-nous à mesure de continuer? Mais vous ne voyez que le côté militaire et tout le travail diplomatique qui a été fait. Une guerre, même depuis l'époque de guerre mondiale et tout, vous avez le front diplomatique qui ne reste pas moins vrai un front. Et puis vous avez le front militaire avec de revers, avec de victoires. Et on va jusqu'à la fin. Le front diplomatique n'a pas ramené les résultats. Comment n'a pas ramené les résultats? Le M23 ne s'est jamais Attendez un peu là, vous vous contredisez. Parce que vous parlez de la calmie, parce que vous parlez de la présence de l'EAC. La diplomatie n'a pas exigé la calmie, la diplomatie a exigé le retrait, monsieur. Non, mais attendez là. Là, vraiment, alors, je suis désolé de vous dire ça. Là, c'est une mauvaise compréhension des choses. Vous dites que la diplomatie n'a pas exigé la calmie, mais les gens là sont venus comment, s'il n'y avait pas une action diplomatique? Vous parlez de l'EAC, n'est-ce pas? Voilà. Journaliste, ça a même pour exposer à travers de questions. Vous mettez la vie sur tout le diplomatie. Diplomatie, binomoko bolobeli. Ba exiger. Ba sa la retrait. Retrait ou ane zara qui respectait. Diplomatie na bino ane frappé batou anate. Mais vous restez à croire que ces gens-là vont faire quelque chose pour votre propre pays. Nazonga ka awa. Les alliés, il y a président burundais. Le président burundais à l'Obani. Trouvez des solutions vous-même, les Congolais. Parce que ceux qui vont trouver ma solution, la bino bino mon côté. Mon côté, que la cause de solution, parce que mon tour, mon copenga, a koye a peine à part naye, pour na a sucer orange. Presser orange, ou na a si sa junion, se zan orange. C'était une grande révélation. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi, qui voudrait en prendre une partie, vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre. C'est l'Ouganda. Et vous allez avoir une orange sans jus.
C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. La communauté. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Voilà. Félix, tu sais qu'il y a à cause. Je vais vous donner. Diligence, autopé, sagesse. Il y a président, il y a Makamba Loba qui, on a discerné en fait ce que ce président burundais avait dit à l'époque, avant même EAC y a un bloc. Bande Konanga, Tolinga Kitozoa, Makambo Otoan Volilote. Le M23, la bande basse à la protéger. Ce que les lots, ils ont sonné à part Nabiso, quand on a le lingue président de la République à Kéi n'a pas accepté. N'a pas accepté. Pays Nabiso, vous avez fait un exemple à l'un sanga. Loko la orange. Bokoki ko trouvé solution et ko se partager orange te. Mouto borokende ko luka. Ako ya ye moko ako presse jus à orange nyonso. So ki a presse jus wana nyonso. Allié Amélie Ango, Arozongi, c'est la bino orange wana sans jus nakati. C'était un grand message. Oh, et Sengela qui n'a pas autorité congolaise va qu'elle n'a pas besoin de ma boucle. Mais le coup, la bango, on en parle, ils sont plus préoccupés par leur femme, leur deuxième femme, leur concubine, leurs enfants et tout. Bazan a tenté à colander la macambo et talico. Yango, moi, même Félix et Tshisekedi, il n'arrive pas à déclarer la guerre parce qu'elle n'a pas naïa comme on a qu'à ça préoccupé par le fait. À ça préoccupé à profiter l'issoussouté. Et ceux qui n'ont déclaré guerre n'a profité l'issoussouté. Ce qui n'a déclaré guerre n'a pas ça la lissoubo été. Ce qui n'a déclaré guerre et qu'on s'est dans l'attitude, moi, on a recogaté dans le pouf avant. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Et ce qui est grave ici, Félix, tu sais qu'il y a qu'on a ça la confiance dans ma milice, à lieu de place, il y a qu'on a ça la confiance dans ma FRDC na biso. Ma milice ma komi ko bunda promesse au Félix et tu sais que des assali ba mobi son na binoto yebi ma ko ko wele la ba localité te biso ba toto ko occuper localité o te biso bon tu n'y so bozo bunda pour objectif mon ko so ki on a kuna lobe a kovana na localité o pourquoi yo ko beta massage c'est quoi la promesse oh ba sali ba mona gouvernement congolais. Ba MBC, ba militaire, binobo kanga maboko. Mais ba milice, binobo kende ko bunda, e ko zalaka a autodéfense. Binobo zo bunda, pon ambo kanga bino, binobo zana bino considéré le quoi ba militaire. Mais c'est grave. C'est grave. Plus tard que quelques jours, tes paroles y a armée, congolaise. Monsieur Kasongo, na MBD so ki ba longo la. Question devant, bah journaliste et bah tout nié question. Est-ce que l'armée congolaise est allée na possibilité à Kolonga, Bitumba, O, Nenge, Longa, Kilobi? À répondre à qui? L'armée est-elle capable de battre l'armée rwandaise? Je vous dis, il y a 2-3 ans, nous sommes crédités, nous avons été crédités la 8e meilleure armée d'Afrique. N'est-ce pas? Et toutes les armées auxquelles vous faites allusion, n'était nullement aligné avant nous. Et vous le savez. Quels étaient les critères sur lesquels s'étaient basées ces organisations internationales pour nous aligner 8e meilleure armée en Afrique? 1. Notre capacité à défaire les groupes armés. 2. Notre logistique. 3. La formation des hommes. 4. Les vecteurs des victoires en termes de engins de l'armée des terres, avions au-dessus, mais également la logistique en général, entre autres. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels se sont basées les différentes organisations internationales pour aligner, comme on a fait récemment, on vient de nous mettre 11e, donc on a reculé d'un pas. Mais souvenez-vous, votre armée,
celle que la plupart des gens vilipendent. Elle a défait la LRA dans ce pays, sans apport extérieur. Elle a défait l'ADF en 2014. Bien avant cela, dans ce pays, j'étais à la 31e brigade parachutiste à Ceuta. Nous allions en promenade dans tous les pays que vous connaissez, auxquels vous faites allusion, même si on ne vous les cite pas. Une compagnie descendait, c'était la débandade. Donc nous étions la meilleure armée. Nous les sommes. Par moments, des problèmes arrivent. Dans la montée en puissance, comme on dit, qu'est-ce qui dit que le Congo n'est pas une puissance au plan militaire sur le continent africain? Parce que les ressources humaines qualifiées existent, les ressources matérielles existent, les efforts sont consentis au niveau du pays par le gouvernement, avec en tête le commandant suprême chef de l'État. Bolandi, à côté de ce que Tozaki n'a possibilité, il y a l'armée rwandaise. Il y a qui s'appelle Matouza, ba militaire Baloubaka. Mais ce qui est pour ça, il y a un côté, ça, il y a un côté pour exprimer. Mais tant qu'on a dit Bisabino que Félix et Tshisekedi est complice. Félix et Tshisekedi a yébi Makambo et Zali Kolek. Neko Gabriel Chembe. Boko Landa Neko. Mouyaya. Mais comment qui déjà à niveau ya koluka kola qui saba congolais? Langue ya Rwanda. Mande Konanga. J'ai des vidéos ici à Mouyaya. Na vidéo ya général Constant Ndima. On a parlé na bango, bazo beta tolo na langue rwandaise. Mouyaya tueu. Yaka ba kongole ba mona misala na binona Félix et Tshisekedi. Makambo ni boko sala, nini bozo prepare contre la République démocratique du Congo. Tozala ki deja na obligation, tozali na obligation, yako yekola la langue rwandaise. Je ne sais pas pour quel intérêt ngana bino to yebite. Mendeko muya ya loba ki deja ke munya mulenge soki langi ya munya mulenge soki nini tout ça boyoka ngo bino moko. Voilà, il est là. Boyoka. Nous savons ici que le Kinya Rwanda est une langue congolaise parce qu'au Congo nous l'avons appelé Kinya Rwanda, une langue congolaise. J'ai aimé ce qu'il a dit, que nous devons apprendre à nos enfants que nous ne sommes pas des francophones et que nous ne parlons pas le Kinyarwanda, nous parlons le petit Hutu, le petit Tutsi, le petit, c'est pas moi, le petit Zané, le petit Isoko. Boyoki? Mais nous tous nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Parce qu'au Congo, nous l'avons appris à l'école, il y a des Hutus comme des Tutsis. J'ai aimé ce qu'il a dit, que nous devons apprendre à nos enfants que nous ne sommes pas des francophones et que nous ne parlons pas le Kinyarwanda, nous parlons le petit Hutu, le petit Tutsi, le petit, c'est pas moi, le petit Zané, le petit Isoko. Voilà. Boyoki, c'est là où on a quoi, Bisabino, que Félix, et tu sais qu'il y a complice. T'as proposé qu'à monsieur le porte-parole, il y a gouvernement le plus faible non na monanté na Congo a ko sala ba déclaration à lolenge oyo et puis a ko loba ke totanga ngo na école. Il est très à l'aise de le dire Mouyaya alobi totanga ngo na l'école. Kinyarwanda ezan munoko na biso depuis quand? Kinyarwanda comment munoko a Congo depuis quand? Et Mouyaya na omi tout na soki azala ka informé. Ce qu'elle a la informé, t'es naïbité. Et l'icône que l'on a fait, qui n'a pas des alliés, mon nom, biso, boyo ka cette vidéo de M23. Alors, bien, kati ya Rutshuru, tali, n'a pas rwandophone, n'a pas congophone, ce qui n'a pas nanifone, ma kambalobiti, si qu'on a mon nom, l'ouka naïba, n'a comprendre en mot, n'a pas comprendre en mot. Nous avons déclaré que Tozali n'a pas rwandophone. Et puis, Abandi n'a pas rwandophone. Il est très à l'aise de le dire.
Tout ça à cause de Félix Tshisekedi. La liberté que Félix Tshisekedi a laissée à ces gens, nakati ya ba territoire na biso. Boyoka vidéo o. La communication na média. Tuko pamoja. Basi sita mkamata mula mulefu maneno tuko na kazi. Mina lipenda tu tufanya kitu moya. Swahili yangu haiko mzuri. Basi tutatumia President Tshisekedi message. Tumoneshe kama siye hapa tuko pamoja. Tuko batoto ya pamoja. Maneno kama natuma ndeke zake huku, mabombe zitakuwa huku, zitakuua yeye na mie na siye bote. Njo vile mimi nasema sai. Tukamata mikono. Kamata mikono ya mduku yako, ya duati mpatia huu, ya goshi mpatia huu. Tuzi kamate ka exercice ya kidogo. Kamata. Tukamatane mkidogo. Tukamate mikono. Tukamata mikono. Nyawanda, masiki yaka tu franse na chuluba, na lingara. Sasa tutamwambia ku franse, asikia bienye ye, anataka kuyua kwetu huku. Tukamate mikono, tuoneshe mikono. Le message au président Tshisekedi, le peuple congolais, réunis dans son ensemble, ici, les Rwandophones, les Swahilophones, les Chulubophones, les Congophones, tous ensemble, réunis contre votre discours incendiaire, divisionniste et le maintien de la mauvaise gouvernance et toutes les antivaleurs. Maintenant, nous sommes réunis ensemble et nous demandons à ce que la paix règne chez nous. Le M23 a demandé à ce que nous puissions dialoguer. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, nous disons, ensemble, nous faisons une chaîne contre le tribalisme. Nous sommes unis. Ne nous amenez pas des discours de division et de séparation chez nous. Je vous remercie. Le M23 a demandé à ce que nous puissions dialoguer. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, nous disons, ensemble, nous faisons une chaîne contre le tribalisme. Nous sommes unis. Ne nous amenez pas des discours de division et de séparation chez nous. De la mauvaise gouvernance et toutes les antivaleurs. Maintenant, nous sommes réunis ensemble et nous demandons à ce que la paix règne chez nous. Le M23 a demandé à ce que nous puissions dialoguer. Vous avez refusé. Et aujourd'hui, nous disons, ensemble, nous faisons une chaîne contre le tribalisme. Nous sommes unis. Ne nous amenez pas des discours de division. Voilà. Bon ami, on a M23. Azo sa la déclaration na mbokananga. Bibi Kapinga. Nanti non mi benga pro-Congo. Nangatia ki pro-Congo na biso wana. Na Congo ngo oya biso toza na ba wandophone bazo beta petolo na mabele na biso ou défier un gouvernement faible et ce gouvernement avonzi mako se manifester devant ces gens et bazu peuple congolais batie bango lo kwa ba bouclier na bango pour la qui ça bon moni hein balingi ba beta biso masasi biso n'avait pas le droit. Il a coupé sa bango chance wana Félix et tu sais qu'elle dit. Parce que awa militaire a koyebi sa biso à lobby, na makambo nyon soba M23 bako sala, biso moyen to sala exacte parce que gouvernement non ne peut se biso mot d'ordre. L'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si le M23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la... Alors, binomo kona parna, binomo e bisabiso, qui est derrière cette guerre? Est-ce Kaka Union européenne, Rwanda, communauté internationale ou le gouvernement congolais aussi? Binomo, comment répondre à la question? Voilà.
nani azali na sima ya guerre oyo Rwanda, communauté internationale, Union européenne, Félix et Tshisekedi ou le M23. Et ça retourne en Rwanda tout le monde. Parce que ce qui est Bolani Mbata, pour qu'on comprenne qu'avec assurance, Mbata a promis au peuple congolais que tout ce qu'on soit Bounaga na Anakalate. Na décembre, awa, ce qui va dialogue et zate, ce qui va négocier à l'interne, boye bisa biso. Ba komi na niveau oyo ndenge nini. Les déclarations que ces gens bazo sala, c'est là où eko la ki sa penza que Félix et Tshisekedi a un accord avec les M23. Ba tu ba koki ko na mabele na biso te ba komi na lolendo o ba to ba ko sa. So ki Félix et Tshisekedi a yebi elo. Mbata apesa ki biso, etali sa ki biso ke, bazali ko solo la na sese, ba ye bani na bato wana. Je peux vous confirmer. Avant décembre, dans quelques mois, il n'y aura plus cette histoire de Bounaga. Et ça vient. Et nos compatriotes doivent. Ça vient du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et le Rwanda, beaucoup le Rwandais, je l'ai dit également à Pretoria et à Durban, devant le Parlement panafricain. Nous mettrons un terme à cette guerre. Nous y mettrons fin. Cette aventure, ce va-et-vient permanent du gouvernement rwandais, vous venez, vous vous promenez sur le territoire congolais et puis vous rentrez comme si de rien n'était, nous allons y mettre fin. Et je crois que vous avez noté même la constance. Vous parlez du président de la République. Je crois que le corps parle de lui-même. Vous avez vu comment il se présente, ce Félix Tshisekedi, la présidente de la République, quand il fait son discours. Vous avez vu la tenue du président de la République. Vous avez suivi le ton. Il a quelle manche? Manche longue ou manche courte? Manche courte. Il a manche courte. C'est tout un message. C'est quel message? Un président déterminé plus qu'avant. Nous allons mettre fin à cette histoire de l'Est. La différence est laquelle? C'est ce sur quoi vous fondez votre optimisme. Pour bon, l'optimisme. On va mettre fin à cette aventure rwandaise dans notre pays. Nous y mettrons fin. Mais qu'est-ce qui fonde votre optimisme? Ce qui fonde mon optimisme et notre optimisme commun, c'est lequel? C'est la détermination de tout un peuple. Et lorsque vous suivez ces compatriotes, partout où vous chantez l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas son Excellence, mais le président Félix Tshisekedi. C'est vous, c'est moi chaque matin. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Pour conclure la vidéo à Félix Tshisekedi, nous n'allons pas négocier avec des gens. Pourquoi nous avons mon avis sur le niveau à renouveler la KEAC? Ceux qui ont négocié dans le bateau, le EAC sont en train d'accompagner le M23. Pourquoi tu as vendu dans le gambo na biso? Ndegogil qui a petit cosique. S'il vous plaît, c'est regrettable. Donc, ceux qui ont tali, M. Félix, tu sais qu'il y a pour ça la déclaration à l'ONU. Au tali, M. Félix, tu sais qu'il y a ceux qui ont zongi na Kinshasa. Ma déclaration n'a pas. Pourquoi il renouvelle le M23? Pourquoi il renouvelle les EAC? Pendant qu'il cohabite avec les M23, Boyoka répond. Pourquoi nous l'espérons? Parce que nous avons répondu à une lettre du secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est qui nous demandait. Pour la prolongation du mandat de la force régionale et qui faisait un certain nombre d'observations par rapport à cela. Nous sommes confiants que dans les jours à venir, ce processus prendra un rythme beaucoup plus rapide dans la mesure où il y a la force angolaise qui va très bientôt se déployer pour suivre le processus de désarmement et de cantonnement par la suite du M23. Et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas que ce sera encore nécessaire de garder les forces qui composent aujourd'hui la force régionale. Donc je parle de l'Ouganda, du Burundi, du Soudan et du Kenya. Parce qu'à ce moment-là, les forces du M23
le groupe du M23 sera pré-cantonné, comme nous l'avons proposé à Kichanga, où se trouve une base de la MONUSCO, et aussi une piste d'aviation, parce qu'après le pré-cantonnement et donc le désarmement, ces forces seront déplacées vers un site que nous sommes en train d'aménager maintenant, en ce moment, pour, près de la ville de Kindu, où ils iront en cantonnement, et de là, nous les préparons donc à s'introduire dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire. Voilà, donc nous sommes dans cette dynamique. Voilà. Moi, Félix, et tu sais qu'il dit. En total, il s'habille sur le lobby à renouveler ba EAC pendant que na Botswana loba ki ma mususu ou na lobby que batona bazali ko cohabiter na ba M23 na Kinshasa ya renouveler bango. Donc je vous dis que tout ce qui se passe actuellement na ba territoire na biso pe ba localité o ezali occupé par le M23, Félix et tu sais qu'il connaît quelque chose. Parce que ce qui a yeba ki quelque chose te na moment on desi ba pe si mot d'ordre Yakobé Tamassas. Et awa pa kopé sa mot d'ordre Yakobé Tamassas, c'était allez-y comprendre ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on préfère faire confiance naba autodéfense. Mais la biste tosa na 2000 soldats en formation. Mais awa ba autodéfense na Ils sont plus d'une centaine, ces jeunes volontaires du territoire de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, disent répondre massivement à l'appel chef de l'État sur la mobilisation de tous les patriotes congolais dans la défense de l'intégrité territoriale contre tout ennemi. Très déterminés, ces jeunes avec leur mouvement d'autodéfense nommé Union des forces de la défense patriotique congolaise FDPC déclarent travailler aux côtés des forces armées de la République du Congo pour bouter l'ennemi rwandais hors d'état de nuire. Nous sommes les enfants de Nyiragongo. Notre objectif est l'unique, c'est de libérer notre pays. Nous nous préparons pour aller à Kibumba combattre l'ennemi M23. Donc on a dû préparer. La morale est au zénith. La force de l'UFDPC révèle avoir soutenu l'armée loyaliste lors de la rébellion du 23 en 2012 à Kibati, Mutao, Kibumba, Rumangabu, Tsanzu et Mbuzi. Ces jeunes, aux côtés du fait colonel Mamadou Ndala, les Rwandais avaient échoué lamentablement. Ils promettent de ne pas se taire face à cette provocation de Paul Kagame contre la RDC. Il est toujours perceptible que les jeunes sont en alerte maximale suite à l'appel du chef de l'État pour barrer la route aux M23 RDF et d'autres envahisseurs de la République démocratique du Congo qui ont refait surface. Pour ces faits, ils sollicitent l'appui du gouvernement central à la logistique pour contribuer tant soit peu à la défense de la nation congolaise et bloquer tout passage à l'ennemi. Cette détermination et mobilisation de la jeunesse sont saluées par la force vive pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du pays. Encourager ces jeunes qui se donnent pour la patrie à le faire avec abnégation, mais aussi dans le strict respect des droits de l'homme et même des lois de la République. Notons que l'Union des forces de la défense patriotique congolaise, FDPC, envisage ériger plusieurs positions afin de chasser l'ennemi sur le sol congolais. Bangonde va commis collection à Liboso pour nous retarder sa biso que Bako Kenekolonga. Mais FARDC, 40 000 hommes au Webisa qui biso que Bazali na formation. Tokomi na niveau ni, IDPS. Kadiosha na kadiosha, même na makambo etali sécurité en boka. Même na makambo etali défense et intégrité. Yamboka mobimba. Donc, tozo eba lisusu te, nini tolo bae, na Félix et tu sais ke die, est-ce que ba. Donc, na makambo on yon somme, bino bolo bina biso ba marabou bae. Si quoi ba marabou ba roi sa la quelque chose te pou ke ba M23 ba kede. Ba marabou ba zan na karapou na réussite, Félix et tu sais ke die na élection. Bon, moi, pour on a Félix et tu sais qu'il y a Kende.
M23 ba kende. Ba marabout ba na possibilité wanante. Le marabout. Retourne la monsieur le marabout. Sans j'ai retrouvé les discours de Mobutu. Mobutu à travers discours na yemoko akolo ba bisoni. Bokoyoka. Il y a chef de l'État. Le chef de l'État a colobé à travers un discours. Donc, on n'a même pas besoin de dire que on a chef de l'État. On a RDC là, qui respectait. Respectait. Bon, quand il y a chef de l'État. Blanc, payé par certains pays, avait cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc, venu d'Europe, s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN. Car ce pays, avec ses colonies, est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser. Un blanc, Aya, Nabukavu, a quelque chose s'autoproclamé président de la République. Yabukavu. Donc, bon côté la S, la République convoitée depuis. Et Félix Tshisekedi a été informé. Maake koyamba ba edemi. Eh, Kagame mon frère. Kagame mon frère. Kagame mon frère. Kagame mon frère. Bota l'escato komi lelo. Na Kagame mon frère. Bon qui discours ya président de la République. Aux Nations Unies. Alobi, oyo e salemi wana na mboka nanga. Qu'un blanc puisse se déplacer de l'Europe pour arriver à Bukavu, pour se déclarer président de la République. Ce que ça qui na Europe, un noir à l'Ouen Afrique a qui na Europe, a qui commis le baké, n'a pas président de la République, y'a beaucoup en Europe, n'aime les malobini, makani, n'aime les babomie, n'aime les locaux, moko à ma vie, commis. Mais le point est ça, mi na Afrique, pour na Europe, c'est un problème. T'es. Bazouéli, y'a même ma chaîne, y'a ma télévision, basalini, basalini, y'a ma reportage. Pour la Mobutu à l'obili, ils ont insulté pour nous. Mais c'est que le M23 font aujourd'hui. C'est pareil. C'est pareil. Avec ce que Mobutu a déclaré na ONU, à travers le discours na Boyoki. Mais nous avons un président de la République qui reste là à l'obi. Nous félicitons les États-Unis d'Amérique. Nous félicitons la communauté internationale pour des sanctions. Bisotozo, c'est là-bas sanction. C'est long, Félix, et tu sais qui. C'est bien. Ah, je sais quoi vous dire, chers frères et sœurs. Il y a François, je vous aime tous. Gratev,
Claude Makambo, Alain Essa, Yves Masunken, Gabriel Chembe, Nalingi Bino Mingi, Yagi Florent, Nalingi Bino Mingi, je dois vous quitter. Makambo so vandeli en autant moulaï, moutou passi. Ezara Rambondo, Ndezolanda Félix et Tshisekedi. Parce que tout ce qui s'est passé au Congo, avant Félix et Tshisekedi, comme président de la République, Ayebakia. Le loi comme président de la République, a voté la mort sous souté. Il connaît quelque chose. On se retrouve demain. Auto a kokabola bisoté. Et loko to sale awa lelo na miso na bino peuple mokonzi pe na miso nzamba za kotala biso likolo. Ezali to meli mbondo. Mbondo ya ko trahir peuple té. Oyo ko trahir peuple kombo na ye likama. C'est vrai que le président, comment vous l'appelez non, ce n'est pas Kagame. Tshisekedi. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fête toujours les anniversaires. On voit des gens qui dansent. Des gens sont en train de mourir à l'Est. Bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon, exactement qu'est-ce qui se passe? Tango boko yo kanzembo yo boko luka bokanganga mtu na yemba kiango oh meko luka barebele bazo kata batu mi toujours et nuit bozo kokate gouvernement de merde trenil c'est moi Moïse Nzanzu Makasi peuple congolais soyo ini ennemi aza na porte na biso encore azali na mawate So kitomi bateli teo Gouverne meko sunga biso teo Bazo kipema wana biso teo Toko mana beni adef nalu Bazo poma batune tiba soso Eske gouverne mabo zangi force Ya kukondisa bango Toko mana punya bako neko Bazo kata kata batu juro enui Est-ce que général est louboyo zo monate Ka pays Congo, pas de président, pas de gouvernement Ce sont des voyous, ce sont des imbéciles Balingi kakalo kumutango population zombo maman na miso na bango Quelle sorte de gouvernement Peuple congolais disons la vérité Ongande général Kostandima Ongande major Kabila Nakuzanga soni bozo tourne na bakarke basoda batonde libinonzo to mobimba Mes peuple bazo kufa Population bazo kufa jour et nuit Bozo zanga kosunga bango Orke bango nde baleisa kabino Mbongo na biso nde futa kabino Me bozo kipeni soteo Tozo kufa neti basoso Bozomi benga les gardes civils Nous nous sommes des gens fatigués Quelle sorte de gouvernement Tshisekedi Voilà yosa président Yosa papier vide La pays Congo, pas de président Pas de gouvernement Ce sont des voyous Ce sont des imbéciles Balingi kakalo kumutango Population zombo maman na miso na bango Quelle sorte de gouvernement Peuple congolais, disons la vérité Au moins ata olo mobutu Tu n'as joué à l'olikouaka l'olictateur Mais tu l'olikouaka na amani Oh Uliko iti ti président ti voyou Ti na vala ma veste ki la siku Ti na voyage kouomba ba misad Or ke Congo c'était pays riche Tu kona koufa sa wa manyama Est-ce que muna kosa nguvu ya kumaliza ma rebellion ama muko na nyie mukopo? La pays Congo, pas de président, pas de gouvernement. Ce sont des voyous,
ce sont des imbéciles. Balingi kakalo kumutango population zombo mama na miso na bango. Quelle sorte de gouvernement? Peuple congolais, disons la vérité. Petit frère propre, éloge mon bangé. Bazolo bat tous les jours que nous avons la démocratie. Mais est-ce synonyme à des mots assis? Ma fille est du ville Makasi. Je sais qu'ils ne me laisseront pas en paix. État de siège, état de piège, état de choc. Ça, c'est pas un combat de couleurs, mais de douleurs. Ma mission TV, le miroir du monde.